Constater de visu les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants chargés de la correction et la vérification, puis ceux du secrétariat chargé de l'étiquetage des copies des candidats au baccalauréat. C'est le mobile du déplacement des deux secrétaires d'État, notamment Mamadou Boukar, Ghana, de l'enseignement supérieur, et Saleh Bourma, de l'éducation nationale et de la promotion civique. Cette visite qui a commencé par le centre du lycée Collège évangélique, puis le centre du lycée Sacré-Cœur, celui du lycée Ibn Sina et le lycée Marouf, a permis aux deux membres du gouvernement d'apprécier l'évolution des travaux. Nous sommes satisfaits dès lors que nous avons eu l'impression comme si les dispositions permettent également qu'il y ait de l'objectivité dans la correction à travers la double correction qui est instaurée à travers la présence des corps de vérificateurs. Pour se rassurer davantage de l'évolution des travaux et surtout galvaniser toutes les équipes, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et celui de l'éducation nationale ont achevé leur tour d'horizon par la grande salle de l'ONEX où est logé le secrétariat.